Oui, mais voilà, nous revenons en direct là sur le stade Lionel Trébise. Ah, nous allons assister au match les Lions de la Tanga contre la Guadeloupe. Donc, en espérant que le match soit vivant et bien. Donc, nous sommes sur le terrain annexe. Vous voyez, même le terrain annexe est un terrain qui est magnifique, qui vaut tous les terrains de chez nous en Guadeloupe. Tous les terrains de chez nous en Guadeloupe, ce terrain-là, il le vaut. Et c'est le terrain annexe. Donc, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses dans des petites villes. Nous sommes dans une zone pavillonnaire, hein, vous voyez, hein, il n'y a que des pavillons, il n'y a pas de grands immeubles, des barres d'immeubles. Et vous voyez que ça, on peut faire des choses. Donc, il faut essayer de pouvoir. Donc, c'est la Guadeloupe qui va donner le coup d'envoi. Donc, il y a une différence de classe au point de vue taille. Mais j'espère que vous allez assister à un match plaisant et que les deux équipes vont donner le maximum pour que le match puisse se faire. Ouais. Ouais, il y a un problème. Le gardien était en bleu et il fallait qu'il soit en blanc pour pouvoir jouer. Donc l'arbitre a demandé à ce qu'il a une autre couleur que les joueurs. En espérant que ce soit le gardien. À moins que le gardien n'est pas là et que... Ah, donc c'est un joueur qui va être dans les buts, le gardien n'est pas en jeu. Donc on est quand même, on est samedi, donc il a fait la fête. Si à 13h... Oui, ah oui. Mais si à 13h45 le gardien n'est pas là, c'est qu'il a fait la fête peut-être, ou il a un empêchement. Allez, c'est parti pour le coup entre la Guadeloupe et Lyon de la Tanga. Et voilà, mauvaise balle. Et là, les Lions de Sénégal vont essayer de. Les Lions de Tanga, ils vont essayer de tirer de loin pour voir si le gardien, le joueur qui est dans les buts, a des capacités de maintenir sa cage inviolée. Donc ça va être une course poursuite entre les attaquants de la Guadeloupe et le gardien de la Guadeloupe, les attaquants des Lions de Tanga. Donc ballon pour la défense des Lions de Tanga qui essaie de sortir proprement le ballon, qui progresse. On a passé la moitié du terrain, mais les joueurs de la sélection de la Guadeloupe sont très présents et les empêchent de jouer. C'est voilà, mais quand même ils arrivent à progresser, les Lions de la Tanga, qui vont trouver sur le côté droit le défenseur qui traverse le terrain, mais qui perd le ballon, récupéré par la Guadeloupe, qui a demandé, qui cherchait une faute qu'il n'a pas obtenue de la part de l'arbitre. Voilà, ballon sur le côté gauche de la défense des Lions de la Tanga, qui essaie de progresser, mais qui perd le ballon. Touche pour les Lions de la Tanga. Ballon contré. Et faute sur le joueur voilà. Petite annonce pour les référents d'équipe. Coup franc pour les qui n'ont pas. Pour la Guadeloupe. Vous voyez bien, hein, ils ont dit Guadeloupe, ils n'ont pas dit Guada Boys, ils ont dit Guadeloupe. Ils ont dit la sélection de la Guadeloupe.
donc coup franc qui va être tiré par le numéro 1 qui cherche à... C'est le défenseur de la Tang qui met le ballon en corner. Donc voilà. Encore le ballon sur le côté, corner joué petit, centre le ballon, et voilà. Encore le ballon récupéré par la défense des Lions de la Taranga qui essaie de dégager, récupéré par la Guadeloupe. La Guadeloupe qui progresse sur le côté droit, qui va centrer, qui va retrouver le défenseur qui essaie de taper, de dégager son camp, mais qui est contré par l'avant-centre de la Guadeloupe. Donc le ballon sort en 6 mètres. Allez, dégagement par le numéro 2 pour le gardien. Dégagement du gardien, latéral pour son défenseur qui progresse, qui va chercher en profondeur. Non, qui retrouve son gardien qui va essayer de le retrouver. Non, qui allonge le ballon, qui va rencontrer la défense de la Guadeloupe qui dégage. Ballon récupéré. Voilà, récupéré par la Guadeloupe. Duel, c'est le Lion de la Taranga qui récupère le ballon, qui va essayer de prendre la profondeur. Contrôle, qui essaie de jouer le ballon. Contrôle, duel. Allez, faute du joueur de la Taranga. Faute du numéro 3 des Lions de la Taranga sur le numéro 7. Voilà. Allez. Ballon qui va être dégagé par le défenseur de la Guadeloupe qui trouve le long de la ligne son attaquant. L'autre, il a trouvé son attaquant qui a croisé. Ballon toujours pour la Guadeloupe. Et but, ah non, très bon tir pour la Guadeloupe, mais le gardien veillait qui met en corner. La Guadeloupe qui réclamait une faute dans la surface, mais l'arbitre a laissé jouer. Alors, nous allons avoir un corner côté droit pour la Guadeloupe qui essaye de mettre son emprise dans le match, qui essaye de prendre la direction des opérations. Laisse, ça va. Tu pourras pas passer avec le... Voilà. Ouais. Non, je... Alors. Non, pourquoi lui ne tire pas? Il fait la passe, il a été trop collectif. Il a été trop collectif pour pouvoir. Ah voilà, la Guadeloupe qui essaie de pilonner la défense. Des Lions de la Taranga. Voilà quand on dit il faut prendre ses responsabilités. On est face au but, on ne cherche pas à comprendre. Des fois on disait chez nous, pourquoi mettre un juke et pourquoi. Mais il faut avoir l'esprit tueur. Attention, ballon récupéré par la Guadeloupe qui va chercher un appui. Il ne trouve pas. Il a essayé de trouver. Et c'est la défense de Lions de la Taranga qui récupère. Qui va essayer de partir balle au pied. Balle contrée par la Guadeloupe qui essaye de sortir. Balle contrée encore. Perdu le ballon. Ils ont du mal à sortir le ballon, les Lions de la Taranga, sauf en rencontrant une balle. Ils ont encore perdu le ballon, mais le ballon, voilà. Oh là là, super bateau du numéro 1 qui obtient le numéro 90, qui obtient la faute. Voilà, qui va être tapé par le numéro 19 de la Guadeloupe. Allez, qui trouve son milieu de terrain, le milieu de terrain qui va essayer de frapper, mais balle directement sur le gardien des Lions de la Taranga, qui demande à ses défenseurs et à toute son équipe de monter. Mais le ballon va être joué par la défense de la Guadeloupe qui va, oui, joli contrôle, et qui va trouver quelqu'un qui conduit, le numéro 20, arrière gauche, qui va trouver son milieu de terrain, qui va chercher de l'autre côté, qui trouve son libéro qui s'est déplacé, qui va trouver son milieu de terrain dans l'axe, qui glisse, qui perd le ballon et qui récupère. Voilà, voilà. Ah, perte de balle du numéro 20. Voilà, faute du numéro 17. Faute du numéro 17 de la Guadeloupe.
le joueur qui s'énerve, l'arbitre il a sifflé, une fois qu'il a sifflé, faute pour trois, il n'y a pas de problème, on ne doit pas s'énerver. Le jeu est fait de contact, même si la faute elle y est. Mais bon, il faut se calmer, il faut retrouver la force de garder ses nerfs. Voilà, l'arbitre qui appelle les deux capitaines pour pouvoir calmer le jeu. Alors, il appelle les deux capitaines pour que le jeu, pour que la discussion ne se fasse pas. On doit respecter l'arbitre une fois qu'il a sifflé. Voilà, c'est ce qu'on appelle un arbitre pédagogue qui permet, au lieu de refaire de la répression, il fait de la communication. Et avec cette communication, je pense que les deux équipes vont comprendre comment on doit faire. Donc, étant donné qu'il n'y a pas le gardien n'est pas un vrai gardien, nous allons voir dans cette configuration qu'est-ce qu'il vaut. Et voilà. Le ballon a été joué à l'intérieur des 18 mètres. Tête décroisée d'un joueur du numéro 7 du Lion de la Coronga, là, mais le ballon passe nettement au-dessus de la cage. Nous, les Guadeloupéens, regardez sur un petit match, un petit tournoi comme ça, il y a des ramasseurs de balles. Vous avez des matchs, des finales, des gros matchs, des matchs qui se jouent le samedi. Le mercredi, le dimanche, il n'y a jamais de ramasseur de balles. L'équipe qui reçoit doit amener des U15, U13, puis amener des enfants pour qu'ils puissent voir le match, voir comment ça joue et tout. Récupération du ballon pour la Guadeloupe qui joue en profondeur dans l'espace libre, mais il n'y avait personne. Le Sénégal, les Lions de la Taranga qui essaient de ressortir, ils n'arrivent pas. Ils sont bloqués, ils repartent derrière. Il va allonger le ballon qui va tomber sur la tête du libéro de la Guadeloupe. Ballon en profondeur, mais qui n'a pas pu trouver preneur, qui trouve le gardien de la Guadeloupe, qui va trouver son défenseur latéral gauche, non, qui met le ballon en terre et qui va allonger. Il allonge, mais il n'y a pas d'un Guadeloupéen à la réception du ballon. Voilà. Il y a la Taranga qui attaque sur le côté droit, qui essaye. Bon tacle du défenseur du milieu de terrain de la Guadeloupe qui met le ballon en touche. Touche pour le Lion de la Taranga par le numéro 2. Il essaie de trouver un partenaire. Il a réussi, mais ils ont perdu 10 mètres. Là, c'est la Guadeloupe qui arrive à récupérer, qui joue en profondeur, qui va sortir qui vont faire sortir. Là, les Lions de la Taranga qui passe par le gardien, qui passe par le numéro 2. Le numéro 2 qui va repasser encore par son gardien, ou bien qui va trouver sur le côté droit le numéro 13, le côté gauche, le numéro 13 qui rentre à l'intérieur, qui trouve son milieu, qui va trouver en profondeur le numéro 3 qui va trouver le défenseur de la Guadeloupe qui prolonge le ballon et que le gardien dégage. Toujours encore le ballon pour les Lions de la Taranga. Le numéro 10 qui essaye d'avancer. Nous allons avoir un tir de... Et voilà. Un tir vraiment, vraiment écrasé du milieu de terrain des Lions de la Taranga. Allez. Dégagement du ballon par le libéro de la Guadeloupe qui trouve le défenseur de la action. Accélération. Accélération de la Guadeloupe, mais le défenseur central très 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 costaud et très sûr de lui qui trouve le ballon. Ballon loupé, tir loupé, et voilà le numéro 3 de la... Et voilà, qui n'a pas réussi à concrétiser cette énergie, débauche d'énergie pour aller essayer de marquer. Il est rentré dans la surface, rentré dans les 6 mètres, mais il a rencontré le défenseur central de la Guadeloupe qui met ce ballon en corner. Et voilà, ça s'échauffe encore, ça s'échauffe. Plaît, les gars. Ça s'échauffe encore. Guadeloupe, on a ses gars, on reste tranquille. L'engagement, c'est sur le terrain.
Les gars, s'il vous plaît, jeu de main, jeu de vilain, on se touche pas. Alors, le numéro 30. Guadeloupe. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est bon, on se remet en place, on démarre. Les gars, voilà. Il y a de l'agressivité. Voilà. C'est à l'arbitre de prendre ses décisions. C'est à l'arbitre de prendre ses décisions. Allez, les gars, c'est et bon, qu'ils disent. L'agressivité, l'envie, on laisse sur le terrain. Les gars, on parle pas et on joue, s'il vous plaît. C'est sur le terrain qu'on gère les différents. S'il vous plaît, merci. Allez, la partie va reprendre après cette échafouée, petite échafouée, petite machin, ballon qui dégage, et voilà, dégagement du libéro de la Guadeloupe, et voilà, et reprise du numéro 4 dans les 6 mètres et qui n'a pas réussi. Allez, petite touche, toujours à 2. Qui va trouver le numéro 1, ballon mal négocié, et voilà, qui a perdu le ballon, et voilà, on va approcher, voilà, la Guadeloupe qui perd le ballon, touche, voilà, le ballon, le jeu reprend, numéro 13 de Lyon qui centre, qui trouve le libéro. Récupération de Lyon de la Taranga, récupération de la Guadeloupe qui redonne le ballon au Lyon de la Taranga, qui essaye de vendre. Perte de balle, qui récupère la. Voilà. La Guadeloupe qui a le ballon. Voilà. Le numéro 9 qui perd son ballon. Touche que va jouer les joueurs de la Taranga. Les Lyons de la Taranga. Une touche très longue. Qui trouve le numéro 10. Dégagement en touche, numéro 7. Donc, il n'y a pas de ballon, il manque un ballon. En préparation sur le terrain d'honneur. En préparation sur le terrain d'honneur. RDC. Voilà. Nigeria. Un ballon qui est arrivé. En préparation sur le terrain d'honneur. RDC Nigeria. Allez, on va faire la touche. Nigeria en préparation. Le ballon, il doit passer par l'arbitre, ça c'est sûr. Préparation sur le terrain d'honneur, RDC. Longue touche. Dégagement par le libéro. Voilà. Et le ballon, il est sorti très loin en arrière. Attention, attention. Attention, le 4, oh là là, pas mal. S'il perdait le ballon, là, c'était danger. Il était à 2 contre lui. Voilà. Voilà, avec le numéro 9 qui rencontre et retrouve le ballon. Oh, dégagement du ballon par le gardien qui trouve la touche. Aïe, touche pour la Guadeloupe. Aïe, trouver. Oui. Il va passer par son défenseur, qui va passer par son machin, qui dribble, éliminer un joueur. Et qui va changer de l'autre côté. Qui trouve le ballon, mais c'est la défense des Lions de la Taranga qui sort le ballon. Récupération par la défense en catastrophe de la Guadeloupe. Voilà. Ballon récupéré par le numéro 9 de la Guadeloupe avec un pied gauche magnifique. Voilà, il se fait une louche pour son milieu de terrain. Et il déplace le ballon sur le côté gauche. Il va trouver son arrière gauche. Oui, qui trouve, on prend le ballon qui touche de la main. Voilà, touche pour la Guadeloupe. Voilà, long ballon en profondeur pour son attaquant.
qui touche le ballon, le défenseur qui vient couper la trajectoire du ballon et il y a corner. En préparation les gars sur le terrain. Corner pour la Guadeloupe. RDC Nigeria. Voilà, petite touche qui trouve son milieu de terrain, hein, mais qui trouve le gardien au premier poteau. Qui dégage côté opposé pour son défenseur qui perd le ballon et qui le récupère, qui l'a perdu. Et qui retrouve le numéro 9. Et le défenseur qui perd le ballon fait faute sur le numéro 9. Et nous allons avoir un bon coup franc pour la Guadeloupe. Ça c'est un gros match. Il nous faut des ballons. Alors, on va retrouver le ballon du match. Toujours 0-0 entre l'équipe de France. Ah oui, il faut baisser la musique, les arbitres ne s'entendent pas. Voilà, un gros coup franc à l'entrée des 18 mètres. Oh là là, qui a donné super. Oh, penalty pour la Guadeloupe. Pas photo. Quelle belle combinaison sur ce coup franc. Ah oui, super. Oui. Quelle belle combinaison sur ce coup franc. Fin de tir, l'arbitre dit pénalty, l'arbitre de touche, il dit non, il n'a rien à voir l'arbitre de touche, c'est l'arbitre central qui dit, il y a pénalty et l'arbitre de touche qui va dire qu'il y a le machin, l'arbitre de touche qui veut deux juger son arbitre central, c'est tout, il ne peut pas déjuger son arbitre central, il ne peut pas, pénalty. Non, l'arbitre il a dit penalty, c'est penalty, il n'y a pas photo. Il n'a pas de juger son arbitre. Tu es que la touche. C'est ton rôle, c'est hors jeu. Même pas les fautes de toi, c'est si l'arbitre te demande comment c'est. Non, ils vont. Il y a penalty. Oui. Allez, c'est tapé par le numéro 90. Pénalty pour la Guadeloupe. Que va tirer le numéro 90 va s'en charger. Voilà. Est-ce qu'il va s'en charger ou il va s'en charger? Allez, et c'est mieux, il n'y a pas de problème. Contre pied froid, ouverture du score pour la Guadeloupe. Il n'y a pas photo. La Guadeloupe, c'est dans la maison. Il confirme les bons matchs de la phase de poule en ouvrant le score 1-0. Passe. Allez, Lyon. On va repartir de bon pied. Guadeloupe qui ouvre le score face au Lyon. Allez. Un arbitre de touche ne peut pas déjuger son arbitre central. Allez, c'est parti. Ballon pour les Lions de la Kanga qui essaye de. Qui a ouvert le score 1-0. Voilà. Ballon profondeur pour les joueurs de la Kanga, mais c'est le défenseur central de vie. Aïe, le ballon est né. Voilà. Dégagement du gardien de la Lions de la Kanga. Le ballon arrive. Et le ballon sur la tête, voilà, ballon perdu par les Lions de la Taranga, récupéré par la Guadeloupe, mais qui la perd tout de suite aussi. Voilà, ils essayent de passer par le centre, mais la Guadeloupe récupère le ballon. Voilà, côté gauche, et le défenseur qui essaie de trouver en profondeur son milieu, son attaquant, un petit qui va très bien. Ah, on sait qu'il est capable. Allez, et qui se donne le ballon sur le côté. Qui va essayer de centrer, qui centre pas, qui trouve l'autre, centre du numéro 9 qui est passé de l'autre côté. Le numéro 9 qui trouve le poteau. Très belle frappe du poteau. Une superbe frappe du numéro 9.
qui amène le ballon sur son pied gauche et qui frappe et qui trouve la base du poteau extérieur. Mais c'est un match plaisant. Très beau match. Très, très, très beau match. Donc, on n'est pas encore... Le match n'est pas fini. Hein. Il faut savoir que la Guadeloupe n'a pas de gardien et que... Allez. Allez, la Guadeloupe essaie de partir sur le côté gauche. Il trouve son attaquant qui essaye de partir sur son défenseur, mais qui fait faute. Alors, faute pour la Guadeloupe. Sur le côté gauche et côté droit du terrain. Allez, ballon joué très rapidement. Très, très rapidement par la Guadeloupe qui trouve son milieu de terrain, qui va centrer, qui trouve l'autre. Son numéro 90 qui va trouver le numéro 9 de l'Opacien qui n'a pas pu récupérer ce ballon dans la surface de réparation. Le Lion de la Taranga qui essaie de se dégager, mais n'importe comment. Ballon récupéré par la Guadeloupe qui la perd encore. Allez, récupéré par le Lion de la Taranga qui essaie de ressortir le ballon. Pas proprement, mais qui trouve un défenseur de la Guadeloupe qui récupère le ballon et qui joue avec son arrière-gauche. Voilà, qui essaie de partir sur le côté, mais qui trouve la touche. Allez, touche jouée par le défenseur de la Guadeloupe, qui passe par son gardien, qui va dégager. Qui dégage loin devant. Allez, balle récupérée par la Guadeloupe sur cette montée de balle des Lions de la Taranga. Ballon récupéré par ce petit numéro qui est très, 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 très présent à voir jouer. Ballon pour la Guadeloupe qui passe par le milieu de terrain, qui passe par le numéro 9. Balle récupérée par l'arrière-gauche qui fait une talonnade pour son milieu, mais qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Oh là là, une mauvaise touche. Mauvaise touche des Lions de la Taranga. Changement. Le numéro 14 des Lions de la Taranga va rentrer à la place du numéro 2, je crois. Voilà. Ils ont vu que du côté gauche, ça passait beaucoup. Ballon pour le libéro de la Guadeloupe qui joue en profondeur pour le numéro, son attaquant. Mais le gardien de la sort. Mais il y avait hors-jeu. Hors-jeu signalé par le juge de touche. Ballon qui va être dégagé par le grand défenseur de des Lions de la Taranga. Ah non, qui laisse à son numéro 2. Donc c'est pas le numéro 2, c'est le numéro 3. Allez, le numéro 2 qui va chercher à allonger le ballon un peu long. Qui trouve son numéro 10, qui contrôle du pied gauche et qui frappe du pied droit, mais le ballon est hors cadre. Donc ça va être 6 mètres pour la Guadeloupe, qui va être dégagée par son libéro. Très très bon. Sur l'homme, très bon de la tête, très long ballon qui va trouver son numéro 90 qu'il a dévié, qui trouve le numéro 90, qui va trouver le ballon, non, qui a essayé de passer le ballon entre les jambes du gardien, mais qui n'a pas réussi. Ils sont très 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 vifs ces joueurs, ces petits là, qui jouent devant à la Guadeloupe là. Donc, le numéro 10, c'est interdit sur internet, ça. Ah, rien. Arrêtez de... Mais non, tu ne peux pas. Il ne faut pas passer. Il ne faut pas passer. C'est dit, excuse-moi. Mais tu... On t'a dit de baisser, tu passes. C'est dit, excuse-moi. Voilà. OK. Les Lions de la Taranga qui demandent un pénalty sur le numéro 10 qui est très, très, très râleur et qui essaye de chercher des fautes quand il n'y en a pas. Voilà. Et l'arbitre a compris qu'il ne tombe pas dans ce jeu là. Allez, ballon sur le côté gauche par la Guadeloupe qui prend la touche. Ah,
Encore une touche récupérée par la Guadeloupe. Ballon pour le numéro. La touche était trop longue, mais qui n'a pas été pu récupérer par le milieu de terrain de la Guadeloupe. Ballon dégagé par le gardien qui trouve son milieu de terrain, qui va essayer de le jouer long. Non, qui passe encore par l'autre milieu de terrain. Perte de balle. Qui trouve le numéro 90 de la Guadeloupe. Qui trouve son attaquant, qui n'a pas pu trouver son attaquant. Et ballon qui sort en 6 mètres. Aïe. Ballon qui passe sur le côté droit pour le Lion de la Taranga, qui joue long pour le défenseur, l'attaquant numéro 10 qui a perdu le ballon. Ballon récupéré. Allez, mi-temps. 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 Attends. Mi-temps du match. Mi-temps pour le match. Donc, mi-temps du match. La Guadeloupe qui mène par 1-0. La Guadeloupe qui mène par 1-0 avec un pénalty. Les joueurs de la Taranga qui vont voir l'arbitre qui va lui demander des explications pourquoi il n'a pas sifflé le pénalty et pourquoi il a déjugé son juge de touche qui a sifflé la faute. On a dit pourquoi. Donc c'est une discussion sans fin. Donc voilà. Ok. Ben oui, messieurs les spectateurs, on est en train de filmer et trop de monde sur le terrain. Moi, je vais demander à l'arbitre de vous faire sortir, il y a trop de monde. Attends, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe.